pour dire que la maison où je suis là, c'est une maison voûtée. Effectivement, la maison où j'étais, la maison était envoûtée. Parce que après la mort de mon frère, les cauchemars qu'il a fait sont trop forts. Ça veut dire quand tu dors, et puis souvent tu ne peux pas bouger là. Ça y est là, mais c'est là même, là, c'est qui venait là. Il sentait les corps, il sentait l'homme même s'asseoir sur moi même, m'attacher même, me serrer. Donc chaque fois, on était dans les prières, on allait chercher une maison. Et puis on allait au Maroc. Arrivé au Maroc, la maison qu'on a pris au ciel, c'est un étage. Là-bas, mais c'est plus joli que l'autre côté là-bas. Mais un matin, il me réveille, et trouve les traces de sang. Traces de sang devant le baril. Le lendemain, il me réveille encore. Trois coups de sang auprès de mes chaussures. Je priais, mais moi, si je me priais, ça arrivait où? Mais chaque fois qu'il va lui lever les connectés, il y avait le message. Donc, t'es là comme ça. Et à Dieu, mon frère te priait de décéder. Moi aussi, là, je prie aussi. Mon frère qui est mort, lui, pour lui, il ne faisait pas l'église, il priait, il comprend. Mais moi, chaque fois, là, je prie, je prie, je rends service aux gens. Je peux faire que les gens fassent un cadeau, je rends service dans le showbiz. C'est de nous, tous les bébés fuites, tout ce qui est même à la fois de mon comptable, les images. Faire que, trois, deux. Il ne peut plus, il ne fait rien à l'argent, j'aide les gens. Ce que j'aide depuis, c'est le patin à mes frères. Donc, il n'est pas mouru comme ça. On va aider moi. Et puis, un matin comme ça, j'ai vu les messages urgents. Elvis, viens à niveau. Urgent, viens à niveau. Quand M. Le Pierre vit le message me laisse 5 du matin. Quand M. Le Pierre vient, il est même à mon visage. C'est quand il est venu, il a bien, mais c'est que je peux faire arriver. Un truc, j'ai lavé. C'est là, il dort. J'ai arrivé, le vieux m'a vu. Il était fatigué, il sortait, il me dit, il vient. Que ton cas, le lundi, là, tu meurs. Ouais. Demain, là, je mourrai aussi. Monsieur, je t'entends les prières, faire une vision. Dès que j'ai pris la prière, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, entre. Goua Soussouro, à mon nom, il s'abaille. Goua Soussouro, à mon nom, il s'abaille. Ama limina ukawule ama kawa kunyola buyo Ama limina ukawule ama kawa sina shakuzo Kuwa susu ho ama nui sabayo Kuwa susu ho ama nui sabayo Kuwa susu ho ama nui sabayo Amalina ugawule amakawa kunyoyo Amalina ugawule amakawa sinyaza kuzo Kuwasusu ho amono isabayo Anamona ugama sur le Facebook, il avait commencé à m'écrire. J'ai plus de 5, maintenant il y a plus de 5000 amis sur le Facebook. Les gens sont venus, ils ne répondent pas. Je ne sais pas camarader, j'ai fait sur Facebook. J'ai fait l'œuvre de Dieu sur le Facebook. Voilà. C'est pas que mon prophète, ça va bien. Il dit, mais de toi à moi, qui doit demander à son camarade si ça va ou pas? Mon prophète, ça va bien, c'est chez toi. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là quand tu me demandes. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui dirigent ma com, qui gèrent ça tel que. Amen. Amen, qu'on a fait du geste pour ma corps.
Souvent, les gens de Prophète ne répondent pas aux messages de Facebook. Moi, le jour où j'ai répondu, ils m'envoient plusieurs messages, je ne répondais pas. Une fois, ça vient, ils pourront. Pourquoi tu se rencontres physiquement? Là, je suis en train de finir mon album. Mon album, il est parti avec mon studio. Et puis, ben, il m'appelle, je ne répondais pas. Et le Seigneur m'a dit, ah, donne-lui le message. C'était vraiment urgent, il y vient. C'est ici, j'ai donné, c'est ici. Lato, c'est mon fils. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. J'ai commencé à l'encadrer doucement. C'est vrai qu'à un moment, il a fait, il est parti. Et puis, après, je l'ai récupéré dans le Seigneur. Je compose quelques chants et tout ça. Et il devait faire un accident. J'ai dit à Lato, tu vas faire un accident. Dieu me dit, tu feras un accident très grave. Je t'ai visé, mais tu vas t'en sortir. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour lui. C'est quand il a quitté, il a fait un accident très grave. Sa voiture est tombée dans un ravin très grave. Les gens même sont morts. Ils sont sortis par la grâce de Dieu. Amen. Dieu m'a mis là. C'est vrai que je suis chanteur, je suis artiste. Mais j'ai aidé beaucoup d'artistes ivoiriens, tels que Gadi Séli, beaucoup de personnes. Dans le secret que j'ai, c'est des personnes, vous voyez, qui sont là pour la culture ivoirienne, que nous devons aider. Moi, je ne maîtrisais pas trop bien. C'est la dernière fois qu'il m'a montré même ses vidéos et tout ça. Moi, je ne maîtrise pas trop. Mais Jésus va te guérir. Je crois que Jésus-Christ va te délivrer. Voilà, Jésus va te délivrer. Nous allons prier pour lui. Nous allons ensemble, nous allons tenir debout comme un seul homme, comme une seule voix. C'est vrai que ses frères sont morts. Mais nous allons arrêter la mort à son niveau. Il faut que ça s'arrête. Amen. Nous allons parler à la mort. Nous allons déclarer à la mort. Et c'est fini. C'est fini pour lui, c'est fini. Il mourra quand Dieu aura décidé. Voilà, il faudrait qu'il vive de son art. Il doit vivre de son art. Et ça, c'est important. Dieu lui a donné un talent, il chante très bien, j'ai entendu, j'ai vu chanter, il chante très bien, il fait même les cœurs, tout son studio aide beaucoup, il fait bien les cœurs, il doit vivre son art. Dieu ne va pas donner un don comme ça, puis la terre va aller te bouffer. Puis les sorciers vont te manger, non. Nous allons dire au diable, écoute, stop. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions au nom de Jésus. Jesus, mighty Lord, mighty King of the Faith. Om da ba 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 ba. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu est pleine de vérité. On dit Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. Pendant que je tentais de prier pour lui, Dieu m'ouvrait les yeux sur un jeune homme là-bas de l'autre côté. Lui aussi qui vit la même chose, il a été déjà livré, on l'a déjà même mangé. Mais je vais régler son cas tout à l'heure. Prenez Job 5, verset 26. Nous allons prendre Dieu au mot. Je touche du doigt. Si tu meurs jeune, hein, Jésus va me rencontrer. Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Nous l'avons invoqué ce matin. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est ça qui est vraiment important de te connecter au prophétique. C'est-à-dire, il faut te connecter au prophète. Il a tout fait pour créer cette connexion. J'étais à Bidjaïma. Non, il est. Il sait ce qu'il veut. Il est courageux. Message a plu, il ne répond pas. Jusqu'à il s'est connecté, on s'est vu à Bidjaïma. J'ai dit, je suis à Bidjaïma. Tu as dit sur le fait que tu étais à Bidjaïma. On s'est vu physiquement. Non, la connexion est créée. Tu m'as créé la connexion. Son image était dans ma tête. Et puis un matin, le Seigneur dit, oh là là, quand je me suis levé, j'étais en train de prier et j'étais en train de demander au Seigneur, quels sont les. C'est pour ça que j'ai fait souvent au Seigneur. Je demande au Seigneur, j'ai des amis sur le Facebook. J'ai dit au Seigneur, quelles sont ces personnes que je dois aider? Je suis maintenant à ta disposition. C'est là que je reçois des messages. J'ai des personnes que j'écris, telle personne dit telle chose. C'est comme ça que je travaille. Telle personne dit telle chose, telle personne dit telle chose. Je ne suis pas sur le Facebook pour faire camaraderie, chercher femme, chercher quelqu'un. Non. Je suis sur le Facebook pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, point bas. Si tu m'as rien dit, bonjour, bonsoir, là, ça ne m'intéresse pas. Vous m'excusez. Chacun sait pour me laisser Facebook. Seigneur notre Dieu, allons-y, le saut, le Job 5, verset 26. Écoutez très bien. Le jour où vous êtes menacé par l'esprit de mort, prenez ce verset. Le saut 5, verset 26. Le Job 5, verset 26. Le jour où l'esprit de mort vous menace, prenez ce verset, rappelez ça au diable.
Voici ce qu'il déclare la parole de Dieu. Vous savez, le jour où Satan a menacé Jésus, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Quand Satan sait que tu lui rappelles une promesse de Dieu, il fuit. Dis amen. Il fuit parce qu'il sait que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Jean 5, le verset 26. Allons-y. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Dieu dit, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. C'est quand tu seras vieux, rassasié de tes jours, que tu vas rentrer dans le sépulcre, c'est dans la tombe. C'est pour ça que la mort d'un jeune fait mal. Amen. C'est une promesse de Dieu. Tant que tu ne rentreras pas en possession de toute la grâce de Dieu, parce que Dieu t'a créé pour un but bien précis sur cette terre. Ce n'est pas pour faire un partage bref sur la terre, c'est pour, en prenant possession de ton héritage, en prenant possession de toutes tes grâces et bénédictions, tant que tu ne demanderas pas vieux, qu'aucun, que la mort ne te touche pas. J'entends à la sorcellerie de ne pas toucher à ton corps, de ne pas toucher à ton âme, même si jamais qui s'hasardait à rôder autour de ta maison, ne sois plus touché avec cette marque de Dieu sur ta vie. La mort, j'ordonne à l'esprit de mort de ne pas toucher à ton âme, ni à ton esprit, ni à ta carrière. Au nom de Jésus-Christ, au contraire, je commande que ton esprit, que ton étoile brille et que tes ennemis soient confondus. Cette mort, je ramène ça dans le camp ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain matin à la maison, on va parler. J'ai vu deux personnes, une dame et un homme. Je vais te dire avec précision dans mon salon, ceux qui sont fait ça. Et puis je vais te dire quand ils vont mourir. Parce que j'ai déjà signé leur décret de mort. N'aie plus peur. N'aie plus peur. La seule chose que tu dois maintenant faire, c'est de vivre ta foi. Voilà. J'ai déjà signé le décret de mort. C'est signé. La mort dans leur camp, ça ne se discutera pas. Amen. C'est eux qui vont mourir. Amen. On va t'asseoir tout de suite. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Viens toi. Tiens. Je te voyais, j'étais en train de te manger. Tu t'assis, et puis je voyais ton DPC, tu tombais dans une marmite, les gens te mangeaient. Et puis ta petite soeur, elle avait un morceau de viande dans la main, puis elle riait. Elle est là? Non. Ta soeur est là? Non, elle est mort. Dans ta famille, ta mère est où? Je ne pense pas qu'elle soit venue. C'est ta soeur? Je l'ai vu quelque part là. C'est ça? C'est ça? Voilà, voici. Tu as fait quoi, Amy? Dis-moi toute la vérité. Dis-moi tout. Je t'écoute. Tu as fait quoi? Non, non, filme pas. Non, je dis non, filme pas. Tu as fait quoi? Hé, tu as fait quoi? Je t'écoute. Tu as fait quoi? Hein? Parle fort, hein? Quoi? Est-ce qu'on attend ce que tu dis? Tu as fait quoi? Ça veut dire, est-ce que le micro sonne? Ça pas de. Parle fort. Ça veut dire quoi? Tu l'as vendu. Il a aubergé, toi, le vendu. Tu l'as vendu, ça veut dire quoi? Oh, hein? Tu l'as donné à ton oncle. Ça veut dire quoi? Il faut bien l'expliquer. Tu n'expliques pas bien. Donné à ton oncle, tu l'as vendu, tu n'expliques pas bien. Hein? Ton oncle t'a dit de le donner. Comment ton oncle s'appelle? Bazalé. Quoi, Bazalé? Il dit de le donner. Quel oncle, maternel, paternel? L'oncle du côté de ta maman. Hein? Hein? Mais pourquoi tu ne parles pas?
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit donner ton frère. Pourquoi? Hein? En le. Parle fort. Vous allez le manger. Il n'y a pas poulet au marché, il n'y a pas cabri. Vous allez le manger. Et toi, t'as dit quoi? Tu l'as donné. Tu l'as pris comment pour donner? Il dormait, oui. Parle fort. Il n'entend pas ce que tu dis. Parle bien dans le micro. Là, oui, ta voix, oui. Hein? Lui, il est lourd, le gaillard. Tu l'as pris comment? Tu l'as pris comment? Comment? Hein? Comment t'as fait? C'est ça qui m'intéresse. Comment t'as fait pour prendre? Il dormait. Toi, t'as, comment t'as fait comment pour prendre? Comment tu n'as pas touché à son âme? Hein? Mais tu as fait comment pour prendre l'âme? Tu ne veux pas qu'il soit délivré? Tu as fait comment pour prendre son âme? Tu as fait comment? On va t'échanger. Tu vas prendre sa place. On est d'accord? Hmm? Hein? Il ne veut pas mourir. Il ne va plus mourir et toi tu vas prendre ta place. On est d'accord? Hmm? Toi, lui va manger le 1er janvier, il va bien manger et toi, tu vas pas rentrer en 2015. On va faire cette expérience-là. Hmm? Hmm? Je vais prier, lui va vivre, toi, tu vas mourir, puis aller te réveiller. Je vais te réveiller après. Ils ont envie de fêter. Te réveiller après. Ouais. Maintenant, si j'ai oublié de ton problème, hein, je vais t'entraîner. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Mais sois Dieu là, tu as fait quoi? Comment tu as pris son âme? Mm-hmm. Parle, hein? Comment? Tu as pris sa coupe. Tu as pris ça comment? Tu as pris son âme comment? Hein? Tu as fait comment? Tu étais couché. Tu t'as pris comment? Et tu as transformé l'âme en quoi? En quoi? En quoi tu as transformé l'âme? Votre fille n'avait pas changé. Vous l'avez mangé? Hein? Parle fort, vous l'avez mangé? Tu es malade. Vous l'avez mangé? Oui. Si tu n'as pas mangé. Tu as mangé quelle partie? Ta tête et le cœur. Vous l'avez transformé en mouton, c'est ça? Hum? Vous l'avez transformé en mouton. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu prends sa place à vous. Tu mal à point, c'est ça? Donne le niveau d'habitude. Tu vas prendre sa place. D'accord? Hmm? C'est bon. Nous sommes en fin d'année. C'est le cadeau de la nouvelle année. On fait un bonus. On va te donner. D'abord. Tu fais quoi? Quand tu m'as pas nous. Quand tu mangeais là, c'était pas doux. Hein? Hein? C'était doux. C'était doux. Tu parles pas. C'était doux. Je prie au nom de Jésus. Je commande
pense que tu me souviens. Va t'en plus le rouge, là, viens. Là, viens. Là. Ton esprit, je libère tout ton être, la puissance de mon sang de la vie. Donne-moi un peu de Dieu. Donne-moi un peu de Dieu. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Merci Jésus. Thank you.